zeste des pamplemousses. Il faut toujours, toujours laver les agrumes, que ce soit des citrons, des oranges ou des pamplemousses, lorsqu'on veut prélever les zestes, parce qu'on sait que ce sont souvent des fruits qui sont traités. Alors, finement. Finement. Presque pas de peau blanche. Pas de peau blanche. Parce que la peau blanche, ben, c'est la peau. S'il y en a un petit peu, c'est pas très grave. Les tailler en fines juliennes et les réserver. Retirer les extrémités des pamplemousses, les peler à vif, prélever les segments et récupérer le jus. Porter l'eau à ébullition, blanchir les zestes le temps d'une ébullition et les réserver. Saler et poivrer les filets de canette sur les deux faces. Chauffer l'huile d'olive avec l'échalote, la gousse d'ail en chemise. Poêler vivement les filets de canette d'abord du côté peau. Le filet côté peau. Oui, voilà. Là, c'est une donc, précaution importante. Parce que, bien sûr, la chaleur va beaucoup moins bien pénétrer du côté peau sur la chair, vu qu'elle est protégée par la couche de graisse. Et les réserver. On a préparé une grille, parce qu'il faut les laisser reposer. Et lorsqu'on laisse reposer une viande, il faut éviter qu'elle soit en contact direct avec soit l'assiette, le plat, avec un fond. Hein, il faut que ça soit aéré autour. Retirez le gras de cuisson, versez le jus de pamplemousse, portez à ébullition, bien grattez les sucs et faire réduire de moitié. Émiettez la tranche de pain d'épices en gros morceaux, l'incorporez dans la réduction de pamplemousse et poivrez légèrement. Passez la sauce, incorporez le beurre bien froid coupé en morceaux. Il faut que je rectifie quelque chose parce que j'ai dit il y a quelques jours que le beurre, il fallait le couper, qu'il soit bien froid, le couper en quantité parce qu'ils fondent plus vite. C'est pas qu'ils fondent plus vite, c'est qu'ils fondent d'une façon plus régulière. Plus régulière, voilà. Montez la sauce, rectifiez l'assaisonnement, dressez les filets de canette sur un plat bien chaud, les recouvrir de segments de pamplemousse, de sauce au pain d'épices bien chaude, sans oublier la touche finale avec quelques zestes de pamplemousse. Filet de canette au pamplemousse, jus au pain d'épices. Pour 3 personnes, 3 filets de canette, 2 pamplemousses, 1 tranche de pain d'épices, 1 échalote, 1 gousse d'ail, 25 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'arachide, du sel et du poivre du moulin.